Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de ma partie avec le Japon. Alors, on s'est arrêté donc avec la... Voilà, pour réchauffement. Tout en longueur. Nous, on n'est pas trop mal. J'ai pas trop compris comment on pouvait... Comment on pouvait les faire basculer chez moi, là, les dépendances. Il faut au moins 526. Empire du ciel à 526 de je sais pas comment on les appelle, hein, jusqu'à pouvoir obtenir le statut de colonie. Contribution de la défense au score de guerre. Bref. Alors, donc là on voit, je pense que les Allemands vont se redéployer. Là, on voit, ils sont en train de se redéployer. Ils vont pouvoir refouler sans problème, je pense, au niveau de la Yougoslavie. Sur qui, il n'y a personne qui vend. Seul truc que je vais pouvoir faire éventuellement, ça sera plus tard, faire ça pour avoir 10% de plus. Ce qui me permettrait d'avoir 8 quoi. Mais bon là je suis un petit peu coincé. Bon, on a coulé des convois. Vous, si vous pouviez attaquer, ça serait plutôt pas mal. Vous avez pris ça. Où c'est qu'il y a des possessions étrangères ici? Ici, là. Là. C'est pas normal ça. C'est qui fait rien? Vous allez être occupé. Vous êtes occupé à vous battre. Là, vous. Direction ici. Vous, je vous ai dit d'attaquer, mais ça vous intéresse pas, visiblement. Donc on va le faire à la main. Voilà, c'est bon, ça avance. Voilà. Du coup, on voit. Bon, là, c'est bon, on a atteint la ligne. Du coup, on va pouvoir lancer une dernière offensive sur ce fleuve. Comme ça. Et vous allez partir de vers ici. Allez, c'est parti. La quatrième raquette de Rikichi Ando. Je sais pas si ça va passer. On verra bien. L'SS Marble machin là, c'est où qu'il est? Il se promène ici. Quand on aura quelques sous-marins de plus, on les enverra. Peut-être d'ailleurs les envoyer maintenant. Vous allez chercher à détruire tout ce qui se passe ici, ici et ici. Merci. Là, il y a encore un sous-marin qui se promène. Deux porte-avions, trois porte-avions qui se promènent. Ça serait plutôt sympa si on pouvait
Il a ressorti sa flotte là, j'ai l'impression. Je pense partie de sa flotte. On vous objectif. Comme ça. Patrouille d'escorte. Donc on a 1942. On va faire un petit peu le point. Ici, je suis à jour. Je pourrais balancer ça. C'est quoi la différence entre les films? On maintient la productivité. Limite de productivité plus 10. Plus 10. Maintient la productivité. Non, c'est une idée flexible. Ici. On va faire ça non. Alors, en aviation, on n'a rien fait. Allez. On va faire. Alors, ce que je voulais voir aussi, si j'avais. 7, ok, dès qu'ils seront plus en combat. Faudra que je surveille ça. Là où ils vont, là ils vont tous se mettre vers ici, là, je sais pas où ils vont. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils attaquent la Norvège. La Suède, elle est encore un protégée. Il en reste encore quelques-unes. Bon là je pense qu'on a de toute façon c'est nos alliés. Là, il y a quoi ici? C'est trop plat. Ces troupes-là vont se mettre. À la frontière. Ouais, occupez-vous ici. Ça vous occupera. Un de plus. Mes sous-marins sont à fond, les destroyers. On va faire ça. Hop. Oh, grosse bataille, on a coulé un croiseur de bataille. Il y a deux cuirassés, un destroyer, deux croiseurs lourds, des avions. On subit une nouvelle défaite très importante là, les Américains. Là, c'est clair que les Américains, en termes de navires, c'est pas du tout ça. Alors, ici, vous, c'est quoi qui va pas? De là à là. Ça vous, c'est possible? Nous manquons de renseignements. Pacifique. Ah bon? Pas de. Alors la flotte 3. Qui fait quoi? Ben si. Bon, on va voir ça après.
Les Japonais, c'est la flotte 6. Donc les Japonais de la flotte. Trois. Ah, ils sont en train de. Ok. Donc, toujours cruellement de ça. Artillerie, on est bon. Je peux peut-être en placer. Il y en a suffisamment ici. Là, il y en a assez. Ça, j'en ai eu, je sais pas où c'est. Ah non, mais ça, c'est les accords. Là, c'est bon. Azad. Je sais pas ce que c'est ça. Là aussi, il y en a. Donc là, peut-être l'artillerie, on va peut-être laisser un petit peu. Bon, ouais. Allez. Ça y est, ils sont tous là. Ah, vous savez quoi? Vous y allez. La Turquie a capitulé. La Turquie a capitulé. Oh, par la Grèce. Scroll la Grèce là. Qu'est-ce qu'ils font les Allemands là? Ils vont tous là-haut. Ouais, d'accord, je les trois destroyers. Eh bien, je crois que vous. Après, vous allez aller là-bas. Là, on n'est pas loin. En Iran, il y a quoi récupérer? Un peu de pétrole. En Afghanistan, il n'y a rien ici, il n'y a pas grand-chose. Allez, vous attaquez. Allez, un croiseur de coulée. Au bout, vous pouvez pas. Escadre aérienne, couvrir les régions par des radars. Il y a déjà trois radars qui couvrent. Oui, c'est difficile de faire un peu mieux là. Si je mets des avions. Il est censé y avoir des avions dans le coin. Bon, bref. Voilà, c'est bon. Là, notre principal objectif, c'est ce territoire-là. Allez, nos petites troupes ici. Déclarer la guerre. C'est parti. J'ai dit c'est parti. Au lieu de faire le tour là. Me veulent, on s'en fout. Bon, allez, vous y allez. Si vous n'êtes pas capable d'y aller tout seul, non, je m'en occupe moi-même. Allez, hop, voilà, on va faire nous-mêmes, hein. Pas un problème. Ici, on avance. Hop hop hop, c'est quoi toutes ces troupes là qui essayent de passer ici là? Moi je suis pas d'accord hein.
Allez, on avance. Donc, char moyen, il manque 206. Ici, j'ai réussi à couler ouais, 10 navires de plus. Ils m'ont pris cher. Oh, c'est quoi toutes ces batailles qu'il y a eu là? Comment on les enlève? Tac, 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 tac. Bah, ce que je vais faire ici. Oh, je vais mettre une base navale. Hein. Et à déjà 10. Il est censé y avoir ici. On la voit vraiment pas cette. Ah ouais, elle est là. Du Pacifique. Bon. C'est pas grave. Ça y est, ils sont passés. Et c'est bon, peut-être. Le Tibet a capitulé. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Quelques petites poches de résistance par-ci par-là. Tout le reste, vous allez les foncer ici. Avec les Anglais. On a récupéré 5 usines du Tibet, c'est plutôt bien. Alors, pas utiliser des trucs qui demandent du. Même chose, char moyen. Hop. Justifier également un objectif de guerre ici. Le bouton. Et également le Népal. Juste pour la tâche, les tâches que ça fait. C'est bon, allez, on y va. Invasion de des îles Marshall. Pendant ce temps-là, on continue de détruire des flottes adverses. On a réussi à faire deux batailles, on a coulé deux navires. Là, oui, c'est quoi ça? Ici, il y a des bateaux, il y a une flotte de bateaux italiens qui se promène. Bien sûr. Alors, un chantier de construction supplémentaire pour notre porte-avions. Voilà, là on reprend la Yougoslavie. Ah, le Marblehead a fini par être coulé. Hop, 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 hop. On va suivre un peu notre petite invasion ici, là, à hôtel de campagne. On va mettre tout ça à jour. Ah ben ça y est, on l'a faite. On l'a faite. Maintenant, on va prendre. C'est quoi déjà ces îles-là? Toujours les îles Marshall. Eh bien voilà, un petit point donc sur la guerre. Guerre en cours. Le Royaume-Uni a déjà perdu 600 000 hommes. Le Reich allemand 1 500 000. Mais écoutez, je vous dis à plus tard donc pour la suite de la partie. Allez, salut!